musée des sciences humaines d'Harare présente d'impressionnantes créatures de béton qui montent la garde devant le bâtiment. Les jardins botaniques sont un lieu agréable de promenade et de détente. Ils rassemblent les spécimens de quasiment toutes les espèces d'arbres et de plantes du Zimbabwe, ainsi que de nombreuses espèces de la flore de l'Afrique australe. National du Grand Zimbabwe est situé à une altitude d'environ 1100 mètres dans une région peu peuplée du Bantou Shona. Les ruines collines forment une masse énorme de granit. Elles ont été continuellement habitées du XIe au XVe siècle. Cette acropole est considérée comme une ville royale. Le Zimbabwe a adopté comme emblème l'oiseau en stéatite qui ornait le totem royal. Grand Zimbabwe a été construite entre 1100 et 1450. Sa population a dépassé 10 000 habitants. Vers 1450, la ville a été abandonnée. L'arrière-pays ne pouvait plus fournir de la nourriture pour la ville surpeuplée et la déforestation avançait. Le grand enclos, en forme d'ellipse, date du XIVe siècle. À l'intérieur de chaque zone communautaire, d'autres murs délimitent le territoire de chaque famille, comprenant généralement une cuisine et deux cabanes de vie. La méthode de construction est unique dans l'architecture africaine. C'est un édifice qui s'appuie sur des architectures préhistoriques. Great Zimbabwe est incontestablement d'origine bantoue. Les ruines de la vallée sont une série d'ensembles de cabanes éparpillées dans toute la vallée. Dans la ville ancienne est un hôtel unique construit autour d'un affleurement de granit dans le même style que le Great Zimbabwe. Le lodge s'intègre de façon transparente avec les arbres environnants et les rochers du site. Thank you.
Les dames, surtout oui. Quand il y a des visiteurs, qu'il y a beaucoup de monde, les dames dorment dans la cuisine. Bulawayo est un centre commercial et industriel. C'est à Bulawayo que naquirent les premiers syndicats noirs. En 1988, la paix revint quand les Shona et Nebele signèrent un accord d'amitié et fusionnèrent leurs partis respectifs. Dans le centre-ville où les rues sont tracées au cordeau, on trouve un nombre important de maisons coloniales bien proprettes et de bâtiments coloniaux imposants comme la poste ou l'hôtel de ville. Le musée du rail abrite une collection de locomotives à vapeur et le wagon privé de Cécile Rhode. Cécile John Rhode était un homme d'affaires et un homme politique britannique, fondateur de la Rhodésie, en l'honneur duquel elle fut baptisée. Sa devise personnelle est restée célèbre. Tant de choses à faire, si peu de temps. Helps when the snares get caught around the neck. If you've got a collar, it gets caught around the collar, so it doesn't actually strangle the dog. Okay. So that's twofold. Okay. Thank you.
La région abrite une des plus grandes concentrations d'art rupestre de l'Afrique australe, art qui met en scène la vie des sociétés de cueilleurs-chasseurs à l'âge de pierre. Une partie seulement de ce patrimoine a résisté aux attaques du temps et aux dégradations résultant des activités des populations plus récentes. En dépit de ces dégradations, des centaines d'abris témoignent, à travers des fresques souvent complexes et très artistiques, de la vie et des modes de pensée des populations anciennes. La région des Matopos est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La beauté du site, caractérisée par des formations granitiques exceptionnelles. Est à 2 heures de piste d'un lieu habité. Le lodge est situé dans une réserve privée de 5000 hectares dans la forêt de Gamo, à proximité du parc national de Huangé. Le pavillon principal convivial est construit comme une plateforme d'observation spectaculaire. Des gens et de la faune sont inextricablement liés. La stratégie de Huangé est de développer des pavillons sur les bords du parc ou les zones périphériques pour limiter l'empreinte de l'homme sur le parc et garder le lodge en communion avec les communautés locales. Le parc national de Huangé est l'un des rares parcs d'Afrique sans aucune réserve de lac majeur. Pour cette raison, les espèces dépendantes de l'eau se rassemblent autour des points d'eau. Tout au long de la saison sèche, c'est-à-dire de mai à novembre, le parc national et le lodge entretiennent 8 forages qui fournissent de l'eau indispensable à la vie sauvage au cours de cette période de l'année.
La frontière avec le parc national de Wangé est le théâtre de certains animaux sauvages et de conflits humains très graves. Les éléphants attaquent sans relâche les cultures et dévastent les réserves de nourriture des villageois. Lions et hyènes agressent également le bétail presque tous les soirs. Les communautés voisines du parc reçoivent maintenant des avantages importants suite à la présence de la faune dans leur domaine. Les visiteurs participent indirectement à cette initiative passionnante de conservation des espèces qui assure l'avenir de Wangé, mais aussi l'existence de la plus grande population d'éléphants du monde.
les chutes Victoria, situées sur le fleuve Zambèze, constituent la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Les chutes Victoria sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le nuage d'eau pulvérisée produit par les chutes peut s'élever jusqu'à 400 mètres de haut pour être visible jusqu'à une distance de l'ordre de 40 km. Localement connu sous le nom de Mosi Oatunya, la fumée qui gronde, David Livingstone fut le premier Européen à observer les chutes en 1855. Il les renomma en l'honneur de la reine Victoria du Royaume-Uni. Le fleuve se jette dans une longue faille du plateau pour s'échapper par un étroit canyon. La faille est de 1700 mètres de largeur et d'une hauteur de 108 mètres. La brume est à l'origine d'une petite zone de forêt tropicale humide, continuellement arrosée par la pluie du nuage.
en aval des chutes, le Zambèze s'écoule dans des gorges qui forment un canyon escarpé en zigzag. En amont des chutes, le Zambèze se présente comme une grande étendue d'eau apparemment calme. En aval des chutes, Zambèze s'écoule dans des gorges qui forment un canyon escarpé en zigzag. L'écorce lisse. Les baobabs ont la particularité de stocker de fortes quantités d'eau dans leur tronc, ce qui leur donne cette apparence obèse. De nombreux villages ruraux sont installés sur le plateau de Victoria Falls. La vie collective commune du village s'organise autour du point d'eau, en particulier en saison sèche. Sobriété, efficacité, économie d'eau et d'énergie sont des règles de survie dans cette région rurale. But we were born in kitchens. When she wants to have a new baby, she will deliver here. A new bed. She's ill, you are treated here. You pass. Il disait que c'est pas juste. Oui, c'est un lieu de vie. Ça, c'est bon. C'est salon, c'est chambre pour les femmes. S'il y a quelqu'un qui est mort, on met le corps dans la cuisine avant de l'enterrer. Voilà. Et c'est les femmes qui bâtissent. C'est comme à moi.
Caprivi est une queue de poil longue de 450 km et large de 30 km. Elle fut nommée en l'honneur du chancelier allemand Lohn von Caprivi. La bande de Caprivi fut créée lors du traité signé le 1er juillet 1890 entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. La région de Caprivi est irriguée principalement par deux cours d'eau permanents, le Zambèze, formant la frontière avec la Zambie, et l'un de ses affluents, le Chobé, lorsqu'il forme la frontière avec le Botswana. Les animaux y circulent librement à travers les frontières avec le Botswana, dans le parc national de Chobé. On y compte 450 espèces d'animaux, dont les éléphants. La faune sauvage est protégée par plusieurs réserves naturelles. Ce traité permit à la colonie allemande du sud-ouest africain d'accéder au Zambèze et donc au reste de l'Afrique australe et à l'océan Indien. Les caprices du fleuve, les rapides et les chutes d'eau, l'instabilité politique n'incitent pas la Namibie pour l'instant à développer de manière commerciale la région. Thank you.
confins du Zimbabwe, du Botswana, de la Namibie et de la Zambie, la bande de Caprivi est restée le lieu de vie d'un nombre important d'ethnies. Dans des villages demeurés traditionnels, les peuples pratiquent l'agriculture, la pêche d'eau douce et parfois l'artisanat. En période de pluie, de janvier à mars, le village est parfois inondé. Seuls les hommes restent au village. Femmes et enfants sont rapatriés sur le plateau. Ha ha ha!
Thank you.
tumatu, tumatu, atumatu, tini koro e tumatu, tumatu, atumatu, tumatu, atumatu, tumatu, atumatu, tini koro e tumatu, uma de do. Tumatu, 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 tumat